Mes bien chers geekettes, mes bien chers geeks, ah ben vous avez bien fait de venir aujourd'hui, hein, parce que entre la critique de Persona 4 Arena, No-chan, Otto, et puis les news, on va bien se poiler. Déjà sorti l'an dernier sur Nintendo 3DS, Resident Evil Revelations avait réussi à s'imposer sur la nouvelle portable de Nintendo. Devant ce succès, Capcom décide donc sans surprise de sortir un portage sur console de salon et PC, et c'est tant mieux. Ce sont les spécificités de la version Wii U qui vont tout particulièrement nous intéresser dans ce nouveau trailer. En effet, avec le très bon Zombie U, Ubisoft avait su montrer l'exemple en tirant parti des fonctionnalités de la Wii U pour un résultat plus que convaincant. C'est maintenant au tour de Capcom de montrer son savoir-faire et prouver que le gamepad de la console n'est pas qu'un simple gadget. Ainsi, la fameuse manette à écran tactile de Nintendo servira à afficher la carte afin de vous repérer. Il sera également possible d'interagir avec l'environnement, par exemple pour crocheter des serrures, et on pourra même jouer uniquement sur le gamepad si quelqu'un réclame la télé. Rien de très original au final. Cela suffira-t-il à Resident Evil Revelations Wii U pour se démarquer des autres versions ? En ce qui concerne le jeu en lui-même, sur les autres plateformes, on reviendra dessus durant une critique de 101% la semaine prochaine. Si les jeux de poker sont légion, il serait dommage de bouder Poker Night 2 pour cette unique raison. Surtout lorsque c'est le studio Telltale Games, à l'origine de l'excellent Walking Dead, qui s'y colle. La première surprise qui nous attend est de retrouver non sans plaisir quelques personnages plutôt bien connus. Sam et Max du jeu éponyme, Brock Samson de la série télé The Venture Bros, Ash Williams des films Evil Dead, et enfin le claptrap tout droit sorti de Borderlands. Vous allez donc devoir affronter tout ce beau monde autour d'une table et vous n'allez pas vous ennuyer. La deuxième surprise, c'est que si Poker Night 2 est juste un jeu de poker, l'ambiance est réussie et originale, l'humour omniprésent. Cela est dû en grande partie à la présence du petit robot de Borderlands, qui est juste exceptionnel. Les autres personnages ne manquent pas de répliques particulièrement drôles, ce qui donne lieu à des conversations savoureuses et dynamiques que l'on suit avec grand plaisir. Cerise sur le gâteau, la présence de GLaDOS, l'IA emblématique de Portal. Chargée de distribuer les cartes et d'arbitrer les parties, elle n'hésitera pas à vous épingler comme elle sait si bien le faire. En somme, Poker Night 2 est une agréable surprise. Elle vous permettra même de débloquer du contenu pour votre console ou pour le jeu Borderlands 2, comme des avatars et des skins. Néanmoins, on regrettera l'absence totale d'un mode multijoueur ainsi qu'une rejouabilité réduite. Cela est dû au fait qu'une fois que les blagues commencent à se répéter, le titre perd incontestablement de son intérêt. Sorti en mars 2010, Command & Conquer 4, le crépuscule du Tiberium, essayait de renouveler son gameplay et de changer une recette vieille de 15 ans. Mais le résultat ne fut pas vraiment des plus convaincants. Electronic Arts semble l'avoir compris et espère bien séduire les fans de la licence avec leur nouveau titre. Celui-ci, avant de s'appeler tout simplement Command & Conquer, s'intitulait Generals 2. L'éditeur a décidé de franchir le pas du modèle free-to-play pour son nouveau titre et une bêta ne devrait pas tarder à pointer le bout de son nez. Dans une vidéo making-of très à l'américaine, les développeurs assurent vouloir revenir aux bases d'un Command & Conquer, à savoir construire ses bases et avoir une action rapide. Bref, ce qui a fait de la série une référence du RTS à la fin des années 90. Et même, les développeurs n'hésitent pas à dire que le titre devra laver les tâches laissées par Command & Conquer 4. On peut donc s'attendre à un gameplay assez classique, et évidemment, vu le modèle économique adopté, on attend surtout de voir comment les achats in-game, etc. seront gérés. Bon, Persona 4 Arena. Est-ce que ça veut dire que c'est un jeu à la quatrième personne ? Parce que autant le FPS, je vois là, c'est la caméra embarquée, le TPS, alors ça c'est le bonhomme qui est vu de dessus comme ça, mais le QPS, la quatrième personne, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait on est en train de regarder quelqu'un qui joue ? Mais comme Persona 4 Arena, c'est un jeu de baston en 2D, ça veut dire qu'il y a deux joueurs qui peuvent jouer l'un contre l'autre. Donc si tu les regardes tous les deux ensemble, c'est plus un QPS, c'est un HPS, hein, 8 personnes. Je ne comprends pas, c'est bizarre quand même. Parfois, je m'emmerde tellement que je me pose des questions complètement cons. Si l'appétit vient en mangeant, peut-on dire que la satiété vient en jeûnant ? Peut-on imaginer que l'assertion populaire qui dit que l'attente génère l'envie a ses limites, au-delà desquelles elle s'inverse totalement ? Peut-on surtout considérer qu'un jeu comme Persona 4 Arena en est un exemple terriblement frappant ? Annoncé en août 2011 pour sortir un an plus tard au Japon et aux États-Unis dans des versions region locked, même sur PlayStation 3, le jeu a été maintes fois daté puis repoussé en Europe. Sa disponibilité en arcade sur le territoire nippon a certes permis à certaines salles françaises de le proposer à une poignée d'amateurs assidus, sans que cela change quoi que ce soit pour le grand public, qu'il a successivement attendu, puis oublié, puis réattendu pendant à peu près un an.
Et donc oui, finalement, la lassitude s'installe peut-être. Parce que le jeu nous parvient bien plus tard qu'initialement prévu d'une part, et parce qu'il arrive en retard à l'échelle de tout un genre surtout. Le deuxième train du jeu de combat est passé très vite. Parti en 2009 avec la sortie de Street Fighter 4 sur console de salon, il a attiré de nombreux développeurs et éditeurs désireux de s'offrir un ticket vers la rentabilité. Mais après une période florissante, on s'aperçoit finalement que seuls les premiers arrivés ont réussi à se faire une vraie place. Et par premier arrivé, on pense principalement à Street Fighter 4 et ses dérivés. Déjà donc, le jeu de combat se replie sur lui-même, et si ça peut être inquiétant pour le genre en règle générale, ça l'est en l'occurrence surtout pour un jeu comme Persona 4 Arena. Le simple fait qu'il ait été plusieurs fois repoussé en Europe n'est pas anodin, et reste à voir ce que ça peut impliquer pour le titre maintenant qu'il est sorti. Avant toute chose, il convient de bien réaliser à quel point Persona 4 Arena est un jeu de niche. Issu des studios Arc System Works, déjà assez doué quand il s'agit de rester discret, il se propose de plus d'adapter une série de RPG elle-même assez peu populaire en Occident. Nous ne sommes pas en face d'un Street Fighter versus Final Fantasy, mais bien devant l'adaptation assez obscure d'une série assez obscure. Un risque certain quand on parle de succès pour l'éditeur, mais une petite bénédiction pour quiconque évolue dans la niche ciblée. D'autant que le travail d'adaptation n'a vraiment pas été fait n'importe comment en l'occurrence. Ainsi, Arena peut être considéré comme une véritable suite au Persona sorti sur PlayStation 2. Il prend place environ 2 mois après la fin du 4e épisode, alors que la célèbre Golden Week est sur le point de commencer. Le héros de Persona 4, officiellement nommé Nalokami Yu depuis l'adaptation animée, en profite fort logiquement pour retourner faire un petit coucou à ses potes de Yasuo Inaba. S'ensuivent alors des événements plus ou moins surnaturels qui amèneront à l'organisation d'un tournoi qui impliquera même Akihiko, Mitsuru, Aegis, Elisabeth ou encore Labriss, tous issus de Persona 3 et ses dérivés. On a certes connu plus poussé comme scénario, mais on rappellera ici que l'on parle d'un jeu de combat dont l'histoire n'est évidemment pas l'aspect le plus attractif. Dans le cas présent, on serait même tenté de dire qu'elle est trop développée, le mode story n'hésitant jamais à se répandre dans de très longs dialogues qui, s'ils retranscrivent très bien l'ambiance des Persona, ne paraissent pas toujours à leur place ici. C'est tout le paradoxe d'un jeu qui essaye de marier deux univers aussi contradictoires que ceux du jeu de baston et du RPG. Rien de bien grave cependant, les plus pressés pouvant de toute façon passer les dialogues, ce qui ne les empêchera pas de profiter des séquences animées inédites ou du nouveau design assez habile de certains personnages. Avant même de révéler son gameplay, Persona 4 Arena apparaît donc comme une réussite. Il assume pleinement son choix de s'adresser à une communauté de fans assez réduite et le fait bien. Se plonger sur un jeu Arc System Works implique nécessairement de se plonger dans un système touffu et potentiellement décourageant pour le profane. C'est également l'assurance de retrouver des gimmicks récurrents comme le burst, une très grande mobilité aérienne et la possibilité d'exécuter des KO instantanés. Mais c'est surtout l'occasion de se frotter à un vrai jeu de combat 2D à l'ancienne, qui ne cède pas aux avances si tentantes et pratiques du polygone. Une sorte de contrat qu'il faudra signer. On va s'en prendre plein les yeux, les combats seront rythmés, les combos interminables. Mais il faudra s'y investir longuement avant de ne serait-ce que comprendre ce qui se passe à l'écran. Persona 4 respecte chaque clause du contrat, mais l'adapte au public potentiellement profane qu'il cible. On retrouve un layout à 4 boutons, A, B, C et D, qui comme dans BlazBlue, abuse des pressions simultanées pour donner accès à de nombreuses fonctions plus ou moins utiles et accessibles à tous les personnages. Ainsi, quasiment chaque combinaison de touches possible est utilisée. A plus B déclenche la All Out Attack, qui reprend un concept déjà présent dans Persona 4, et permet notamment d'envoyer son adversaire dans les airs. C plus D lance une chope, exécutable au sol ou dans les airs, et qui pourra être évitée par l'adversaire en pressant les mêmes boutons au bon moment. A plus C donne accès à deux mécaniques connues des joueurs de King of Fighters, la roulade avant insensible au coup et vulnérable au chope d'une part, et le short jump d'autre part. B plus D est réservé à l'utilisation d'une attaque spéciale invulnérable au démarrage qui consomme un peu de barre de vie. A plus B plus C autorise le cancel de certains coups pour obtenir des combos impossibles en temps normal, un peu comme le FADC de Street Fighter 4. Et enfin, A plus C plus D est réservé au burst, qui permet soit de canceller une attaque, soit de dégager un adversaire en plein combo pour respirer un peu. Autant dire que nous ne sommes clairement pas devant ce que le jeu de combat a connu de plus simple d'accès, d'autant qu'il faut rajouter à tout ça un principe général déjà spécial. Si les boutons A et B sont réservés aux coups normaux, C et D déclenchent des attaques de Persona, un concept qui n'est pas sans rappeler Eddie de Guilty Gear ou tous les combattants du JoJo's Bizarre Adventure de Capcom. Le principe est alors de gérer à la fois les actions du combattant et de son Persona, qui peut parfois aller se balader assez loin avant de revenir auprès de son propriétaire.
Bien utilisé, ce système permet des combos assez impressionnants, mais aussi des phases de pression très longues ou des situations ambiguës pour l'adversaire qui ne saura pas toujours remettre sa garde. Ce sera également souvent l'occasion de frapper l'adversaire de différents états négatifs, directement tirés du RPG, comme le classique poison qui consomme lentement la barre de vie, ou encore le charme qui inverse temporairement les directions gauche et droite. Mal exécuté en revanche, ça sera pour l'adversaire la porte ouverte à tous les contres, qui à chaque fois qu'ils seront exécutés sur un persona, entame une jauge placée sous la barre de vie. Une fois vide, celle-ci prive son utilisateur de toute utilisation de persona pendant un certain temps. Ce qui peut souvent s'avérer fatal, d'autant plus qu'un comportement trop passif finira par entraîner des pénalités d'attaque et de défense. À toutes ces notions compliquées, il faut évidemment ajouter les petites subtilités propres à chaque personnage. Un classique chez Arc System Works qui compense ses petits rosters, 13 combattants ici, par des gameplays très variés. Aegis devra par exemple gérer une réserve de munitions, tandis qu'Akihiko profitera de chaque mouvement d'esquive inséré dans un même combo. À ce stade, les classiques gestions de barres de spécial, les coups EX et les super combos paraissent complètement triviaux, même lorsque certains de ces derniers peuvent tuer l'adversaire instantanément sous certaines conditions. Et au final, oui, tout cela est tout à fait confus pour un débutant. Seulement, il y a le principe de Chain, une très bonne idée capable de convaincre n'importe quel profane grâce à un principe très simple. Concrètement, mitrailler le bouton A lance pour chaque personnage un long combo automatique, qui pourra même s'achever par une super attaque si la jauge de spécial l'autorise. Chaque ouverture de garde pourra ainsi être assez bien rentabilisée dès les premières parties, tout en offrant du spectacle à tout le monde. Bien entendu, ces combos automatiques sont loin de représenter ce qui peut se faire de plus ravageur, et chacun est invité à s'en défaire petit à petit pour utiliser des variations beaucoup plus efficaces et beaucoup plus compliquées à exécuter. Le classique mode challenge sera un bon moyen de s'en rendre compte, en proposant de réaliser des enchaînements de plus en plus compliqués pour chaque personnage. Petite originalité agréable, le dernier défi pour chacun des combattants impose simplement un objectif au joueur, sans plus de précision. Il faudra par exemple infliger tant de dégâts en un seul combo, ou bien arriver à placer tel coup dans un enchaînement, ce qui oblige le joueur à réfléchir au lieu de simplement se contenter de reproduire des listes de coups longues comme le bras. En plus d'être un défi très corsé, c'est une très bonne manière de pousser à appréhender le système de jeu dans son ensemble, et surtout à le comprendre. Une bonne idée très plaisante parmi les nombreuses autres qu'avance Persona 4 Arena. Intrinsèquement, Persona 4 Arena a à peu près tout ce qu'il faut pour contenter l'habitué du jeu de baston comme l'amateur de Persona, ou même à peu près n'importe quel joueur sensible au combat nerveux et aux ambiances funky. Tout ce qu'on pourrait lui reprocher en réalité, c'est d'être un jeu Arc System Works, ce qui revient à dire qu'il est assez typé pour pouvoir rebuter un certain nombre de joueurs par sa seule identité. Mais à part ça, il reste clair que nous sommes en face d'une belle réussite. Seulement voilà, il arrive un peu tard. Si bien que plus que la frustration qu'il a pu provoquer par l'attente, c'est surtout la place qu'il pourrait bien occuper dans le jeu de baston qui préoccupe aujourd'hui. À l'heure où seul Street Fighter 4 parvient encore à déplacer péniblement les foules, on peut légitimement se demander ce que va devenir un jeu comme Persona 4 Arena. Il est absolument certain qu'il n'engendrera aucun tournoi à grande échelle, pas plus qu'il n'attirera de très gros joueurs capables de fédérer une communauté large et diversifiée. Et c'est là qu'intervient la malédiction du jeu de baston, qui dit que si un titre ne crée pas la hype, on peut parier que passé quelques semaines, ses lobbies en ligne seront totalement déserts, justifiant ainsi finalement un manque d'intérêt général. C'est bien dommage car en l'occurrence le netcode a l'air plutôt solide, seulement il est malheureusement quasiment sûr qu'il ne sera que très très peu mis à profit. Reflet parfait, bien malgré lui d'une réalité regrettable, Persona 4 Arena représente peut-être bien à lui seul toute la tragédie d'un genre. Un genre dont le grand retour tant acclamé ne sera avéré que lorsque d'autres jeux que Street Fighter 4 arriveront à se faire une vraie place. En attendant, on pourra donc se pencher sur ce P4 Arena en ayant bien conscience que son mode en ligne sera bien vite désert et son intérêt sur le long terme assez limité. Le tout en espérant très fort que le jeu de combat n'est pas en train de lentement connaître sa deuxième mort. Car le jeune s'installe déjà petit à petit et avec lui pourrait bien venir la satiété puis l'oubli. Sac à tampons, j'avais dit qu'aujourd'hui on allait se poiler. Alors bon, pour me faire pardonner, une histoire drôle. Alors, c'est Nono, il est victime de la crise. Il se retrouve au chômage, il est désespéré. Alors il décide de se lancer dans l'agriculture, un métier d'avenir. Alors il va à la ferme comme ça, il met ses bottes en caoutchouc, il met sa pelle et sa bêche dans la brouette, et puis il va au milieu du lopin de terre. Et puis voilà, il commence à travailler la terre. C'est Nono champ.
bande d'attaque, c'est Nando-chan. Cette semaine, il m'est arrivé quelque chose de spécial. J'ai vu une vidéo sur YouTube et puis je l'ai regardée à nouveau. Encore et encore et on a été des millions à le faire. C'est peut-être la plus belle vidéo de la toile. Je vous explique ça tout de suite. Lundi dernier, l'astronaute canadien Chris Hadfield se prépare à rentrer sur Terre après avoir été aux commandes de la Station Spatiale Internationale pendant quelques mois. C'est d'ailleurs le tout premier Canadien à avoir été le commandant de cette station. Pendant son temps libre lors de sa mission, il s'est fait connaître sur le net et les réseaux sociaux pour ses vidéos et photos tantôt poétiques, tantôt pédagogiques qu'il postait très régulièrement. Et oui, il a le net là-haut. Je sais, moi aussi ça m'a surprise au début. Je me demande d'ailleurs à quel débit. En général, ces vidéos sont des expériences amusantes comme par exemple comment se brosser les dents ou se raser en apesanteur ou encore confectionner un sandwich en apesanteur. Une des plus amusantes est la vidéo « Que se passe-t-il quand on pleure dans l'espace ?» Eh ben, vous pouvez le voir, hein, l'eau s'accumule autour des yeux pour faire de grosses poches aqueuses. Comme le dit très bien Chris, dans l'espace, les larmes ne coulent pas. Et là, Chris vient de poster une vidéo, la dernière avant son retour. C'est tout simplement une chanson, un vidéoclip avec une reprise de Space Oddity de David Bowie. Ground control to Major Tom. C'est une chanson de 69 qui raconte l'histoire de Major Tom, pilote d'un engin spatial qui décolle et qui finit à la dérive, prisonnier de son engin inerte. Une chanson poétique et dans le temps de l'époque où la conquête spatiale et le film 2001, l'Odyssée de l'espace, faisaient l'actualité. La chanson avait d'ailleurs été traduite et chantée en français par Gérard Palapra, un chanteur en plein dans la mouvance hippie qui a connu le succès au début des années 70. De perles d'oubli au cœur d'un roi qui se languit. Mais revenons à Chris. Sa reprise a été présentée par certains sites comme la toute première chanson enregistrée dans l'espace. C'est sûr que c'est vendeur de présenter ça comme ça, mais ce n'est pas vrai. Dommage. Car Chris avait déjà envoyé quelques vidéos de chansons qu'il jouait en acoustique dans la station. Il avait également enregistré une autre chanson en duo et avait aussi chanté en direct avec toute une chorale. Waouh! Mais là, c'est un peu le point d'orgue de sa carrière musicale exosphérique. This is ground control to Major Tom. You've really made the grave. En plus, il a tourné un vrai clip pour accompagner sa chanson. Le chant et la guitare ont effectivement été enregistrés à bord de la station, tandis que le reste de la musique, les arrangements et le mixage ont été faits sur Terre. Et le résultat est stupéfiant. Le clip est très bien réalisé, cadré et monté, l'image est magnifique, rehaussée par un étalonnage discret et de bon goût. Et Chris assure carrément une vraie rockstar en apesanteur. Voilà, on tient la vidéo parfaite. La vidéo qui redonne espoir en l'humanité. La plus belle vidéo sur le net. À bientôt, bande d'attaque! Bon, par là-dessus, Caroline, qui était en train de se promener à la campagne, dans un champ au loin, elle voit Nono. Alors elle se dit, oh, je vais aller lui faire coucou. Elle s'approche de lui, mais comme il est très concentré sur son labeur, elle n'ose pas trop lui parler. Alors elle reste là, elle regarde. Et puis Nono, il est en train de travailler, mais il sent qu'il y a Caroline derrière lui. Alors avant de la bourrer, il se retourne vers elle, et puis il lui dit, bah, qu'est-ce que tu fais encore là? Tu veux ma photo? Puis Caroline ne se démonte pas, et elle lui rétorque, non, je veux pas de photo, je veux un vrai auto.
Bonsoir à tous et bienvenue dans Auto. Et cette semaine est un petit peu particulière. Pourquoi ? Eh bien parce qu'on est en semaine 20. Si vous regardez dans les calendriers, les semaines sont numérotées et cette semaine c'est la 20. Nous sommes donc à exactement 7 semaines de Japan Expo. Plus que 7 semaines pour vous présenter les artistes musicaux invités à l'événement. Mais en fait, on va pas commencer ce soir, hein, non. On fera ça vers les semaines 23 ou 24. Cette semaine, c'est Topics, Pick Up, Nouveautés et Release. On commence les releases avec les Momo Hero Clover Z. Cela fait déjà un mois que vous pouvez vous procurer leur nouvel album Fifth Dimension, qui a quand même été numéro 1 au Japon la semaine de sa sortie. Merci à Bishibishi de nous avoir fait une édition physique. Le 5 juin prochain, c'est sur l'album Scams de Nightmare que vous pourrez vous jeter. Mais ça fait déjà un bon mois que vous pouvez le trouver en numérique sur les plateformes de téléchargement légal grâce à Genshin. Si en France vous trouvez qu'on ne croule pas sous les avalanches de sorties, de bonnes nouvelles nous parviennent depuis l'Angleterre. Le label GPU Record vient d'annoncer la sortie de de Polysix dans leur pays pour le 10 juin et il sera disponible chez nous dès le 18 juin. Et pour cette édition européenne, nous bénéficions de 3 pistes bonus. Mais ce n'est pas tout, GPU Record va aussi faire plaisir aux fans de Lintoshite Shigure car leur nouvel album, Unperfect, sortira fin juin au Royaume-Uni et le 10 juillet en France. Ces deux albums seront bien entendu disponibles en numérique dans toute l'Europe dès leur date de sortie anglaise. On termine avec Kiali dont le premier album sortira en juillet en France sous le label Recodisc qui appartient à Warner Music. L'album devrait coûter moins de 20€ et être disponible dans la plupart des boutiques de CD. On commence les topics avec le genre de nouvelles qui fait toujours plaisir, voir un artiste que nous diffusons atteindre les sommets des charts. C'est le cas cette fois de Golden Bomber, ce groupe de Air Visual Kei que vous avez découvert à Japan Expo en 2011. Mime Shikute est un de leurs plus gros tubes et leur dernier single My Generation, sorti en janvier, est arrivé premier du top Oricon. Mais l'info c'est plus concernant leur dernier album sorti en avril, The Past Masters Volume 1, qui est bien sûr arrivé premier des charts. C'est leur premier album à être numéro 1. Ce qui est classe car le groupe est toujours dans un label indé en fait, et ils sont donc premiers sur les ventes normales ainsi que sur les ventes indies. Donc c'est... On termine avec quelques infos sur le classement Les Coachs Pou, le top des ventes en dématérialisé. Quand on regarde le top des Chakuta, donc les chansons en version courte, hein, en général téléchargées sur téléphone portable, on voit que Kali Pamu Pamu est deuxième ce mois-ci avec Ninjali Ban Ban. On peut voir aussi que Miwa est dixième avec Hikarie, ce qui est quand même super classe, car cette chanson date quand même d'août 2012. Du côté des téléchargements en chansons fou, donc en entier, on retrouve à nouveau Kali à la deuxième place, et dans ce classement-là, juste derrière elle, il y a les Golden Bomber avec Mime Shikute, un titre qui ne perd décidément pas en puissance. Et Miwa non plus, car on la retrouve ici encore une fois avec Hikari en 7ème place. Au niveau des téléchargements de clips cette fois, c'est Kali qui est première, mais Golden Bomber n'est pas loin en 3ème position. Voilà, c'était des nouvelles de nos artistes qui marchent dans les charts numériques en ce moment. Le pick-up de cette semaine, c'est le premier album d'un tout nouveau groupe qui arrive sur No Life, Toriyappa Sandy. Ce jeune groupe s'est créé en octobre 2012. Il est composé de 5 membres dont Jaehyun qui faisait partie du groupe Golbetti pour ensuite se lancer en solo. Les autres membres sont Missy, Kide, Yuhei et Wani. D'ailleurs, depuis Toriyappa Sandy, elle s'appelle Jaehyun Ko Sandy. Ils ont même un petit univers intéressant. Par exemple, ils viennent de la planète Toriyappa Sando, où ils vivent joyeusement entourés de musique. Plus sérieusement, le nom du groupe vient des mots triangle et upper sound. Juste pour votre culture, upper sound veut dire esperluette. Et pour ceux qui se demandent si ce mot est bien français, oui, esperluette est le mot qui désigne le symbole et commercial. Vous en faites pas, hein, moi aussi j'ai appris quelque chose aujourd'hui. Leur phrase c'est I and you and music. Et comme vous pouvez le voir, cela forme un triangle relié par des esperluettes. C'est beau! La musique les a réunis et pour eux, c'est très important de pouvoir transmettre aux gens cet univers qui leur est propre. Vous pouvez en avoir un aperçu dans leur premier album, Planet of the Toriyappa Sando. Il est composé de 10 pistes, dont la dixième qui se compose d'un triangle et d'une esperluette. Ce groupe est encore indé mais a clairement le potentiel d'un groupe à remplir des grosses salles. Le clip tiré de cet album, c'est Lollipop et j'espère que vous lui ferez un bon accueil sur l'antenne. Oh my God.
Ça y est, c'est la fin de l'émission. Il est temps maintenant de regarder les nouveautés qui entreront en rotation sur nos lives juste après le JTOP samedi soir. Et cette semaine, vous aurez bien entendu Lollipop de Toriyampa Sandy. Un clip qui devrait vous marquer par son énergie et pourquoi pas par la voix de la chanteuse assez caractéristique. Vous les avez récemment vus dans Japanimation, les Shukugawa Boys avec le clip Homework. Un clip où l'on repart en enfance, on s'est tous pris pour des stars devant un miroir quand on était jeunes. Après l'avoir glorifié dans le JTOP artiste consacré à Asian Kung Fu Generation, vous allez enfin pouvoir voter pour Haruka Kanata pour le JTOP normal et sous-titré par Maître Kron, s'il vous plaît. Ne ratez d'ailleurs pas la rediffusion de leur JTOP artiste ce dimanche à 19h. Quelques invités musicaux ont été annoncés par Japan Expo. Parmi eux, il y a Ninja Man Japan. Vous pourrez mieux faire connaissance avec les ninjas du Visual K grâce à leur titre Fly Away. Vous pourrez aussi vous faire une meilleure idée du style de Dear Loving avec Sunonamida Niwa et Migaharu. Un clip tiré de leur dernier album en date, bientôt plus de clips sur les artistes présents à Japan Expo. Ce samedi, vous pourrez enfin regarder le clip des NMB48 en entier sur nos lives. Laissez-vous emporter par cette douce balade qui représente tellement pour ces demoiselles. Attention, voici deux clips qui entrent en rotation mais qui ne seront pas votables car leur version clip normale l'est déjà. Amazing Blue Dan Café en live lors de leur concert Comeback au Japon, c'est très sympa et très bleu. Je ne vous parle même pas du live de Ichiban Iona tiré du même concert. Ça rappelle plein de bons souvenirs sur leur dernière venue à Paris, même si c'est pas comparable avec la taille de la salle qu'on voit sur ces images. On n'oublie pas le clip du HP pour lequel vous votez chaque semaine sur le forum de No Life. Et enfin, il y aura Shintia avec Shin Ai Egoism, un groupe de rock féminin avec des filles plutôt sexy dedans et même avec une musicienne que vous connaissez, Azu. C'est l'ancienne bassiste de Lazy Guns Risky qui fait partie donc maintenant de Shintia. Sinon, Saki, la chanteuse, est une ancienne idole et pourtant elle a une voix qui en jette, hein, sous les riffs, on l'entend vachement bien. Puis elle a une voix grave, assez intéressante aussi. J'espère que ces charmantes demoiselles trouveront leur public. Pensez à voter pour le JTOP, je rendez-vous la semaine prochaine dans Auto. Bisous, bye bye. Bon, j'espère que vous êtes autant amusés que moi. Alors bon, ben, je vous quitte en vous faisant des gros bisous. N'oubliez pas de parler de l'émission à vos amis. Je suis sûr qu'eux aussi s'amuseront beaucoup à la regarder. Et puis en attendant la prochaine fois où on se reverra, je vous fais des gros bisous pleins de rire et d'humour.